Marguerite Barankizé, affectueusement appelée Maggie, fondatrice de la Maison Shalom, menacée et contrainte de quitter son pays, le Burundi, tire la sonnette d'alarme et appelle à la vigilance sur les risques éventuels d'une violence exacerbée au moment où se tiennent les élections communales et législatives. Face à la presse belge internationale de ce 25 juin 2015 à Bruxelles, elle a présenté la situation sociopolitique d'un pays au bord du gouffre. Christian Missia et Ghislain Zobio. Figure incontournable du milieu associatif burundais et fondatrice de la Maison Shalom, une institution venant en aide aux enfants en difficulté, Marguerite Barankitse nous a confié avoir relevé des signes inquiétants d'un durcissement de la situation au Burundi. J'ai reçu des messages qu'il y a un avion même qui est arrivé, que les armes ont été, donc le personnel aéronautique a été donc chassé. Et puis c'est 4 généraux qui sont venus décharger eux-mêmes ces armes. C'est que c'est un signe que tout peut arriver. Mm-hmm. C'est un signal que nous devons donc être vigilants et c'est une sonnette d'alarme. Connue pour son engagement dans la société civile et ses nombreuses prises de position contre les dérapages du pouvoir, Madame Barankitse est devenue à son tour une cible pour les autorités en place. Un mandat d'arrêt aurait été déposé contre elle, dans lequel elle serait soupçonnée d'être venue en aide aux manifestants, d'avoir planifié des manifestations et d'avoir aidé des putschistes. Ces accusations ont donc convaincu la militante de quitter le Burundi. Le 14 juin dernier, un mandat d'arrêt aurait été délivré contre Marguerite Barankitse. Nous sommes renseignés auprès de juristes burundais et ceux-ci nous ont expliqué le déroulement de la procédure judiciaire. Selon l'article 110 de procédure pénale burundaise, une enquête préliminaire est menée afin de déterminer les faits et recueillir des preuves et témoignages. La personne suspectée reçoit alors un courrier l'invitant à comparaître à une audition. Au cours de celle-ci, les soupçons qui pèsent sur la personne seront confirmés ou non. Si c'est le cas, un mandat d'arrêt est délivré. Dans le cas contraire, le suspect devra être libéré. Toujours selon nos sources, de nombreuses arrestations arbitraires auraient lieu au Burundi. L'appareil judiciaire serait devenu un outil d'intimidation contre les voix discordantes au troisième mandat. En plus de 20 ans d'existence, la Maison Shalom a accueilli près de 20 000 orphelins. Plus de 45 000 enfants ont été pris en charge et 2 000 jeunes ont bénéficié d'une formation professionnelle. Des chiffres qui témoignent de l'engagement de l'institution pour la cause des enfants. Toutefois, Madame Barankitse déplore l'enrôlement de nombreux enfants dans les milices du parti au pouvoir. Des recrutements qui, selon elle, réduisent à néant le travail effectué pour réinsérer les enfants dans la société. De deux côtés, parce que la rébellion recrutée, l'armée officielle recrutée. On les a réinsérés, mais donc le pouvoir du CNDD-FDD les a gardés un œil pour les recruter après comme milice encore pour les maintenir au pouvoir. Donc nous avons été roulés personnellement avec donc la Maison Shalom qui avait réinséré plus de 1500 enfants soldats. Et aujourd'hui on les voit revenir, donc sont armés, réarmés. C'est très dangereux d'armer et c'est très difficile de désarmer une milice. Tout cet argent que vous déversez pour les enfants soldats. Et après, on les démobilise. Et maintenant, on les réarme. Est-ce que cet argent des contribuables, c'est une honte qu'elle sert toujours, ça circule? Est-ce que ça vous enchante? Est-ce que ça enchante encore qu'on va, tout cet argent que nous avons mis, moi j'ai la somme ici, hein, j'ai mis l'argent qu'on me donne pour former tous ces anciens enfants soldats que le Luxembourg m'a donné, que des amis privés ici, des fondations. Et aujourd'hui, tout cet argent part en fumée. Nous devons encore venir mendier. Installée dans les campagnes, celle qui est affectueusement surnommée Maggie par les Burundais insiste sur l'impopularité du président sortant dans le monde rural. En effet, la militante a constaté plusieurs aberrations dans le comportement des autorités burundaises. Elle dénonce aussi de nombreuses intimidations dont auraient été victimes les villageois. Depuis 2010, les gens souffrent beaucoup du régime de Nkurunziza. Mais comme il joue, c'était du théâtre, des travaux communautaires, et puis on le voit, il est born again, il danse et tout. Et on croit que réellement il est populaire, c'est seulement les intellectuels qui ne l'aiment pas. C'était tout à fait faux. Moi, je vis dans le milieu rural
Je vais donner l'exemple. L'année dernière, au mois de septembre, il est venu dans ses croisades donc pour la prière. Et à Ruyigui, personne n'est allé, la population. On est allé les forcer, on a amené des camions, on les a transportés au stade de force. Ils retournaient. Et puis alors, après, on a dit que c'était à cause de moi. Alors j'ai dit, si réellement la population m'écoute beaucoup plus que vous, alors comment, comment? Ils ne sont pas venus à cause de Maggie qui est catholique, qui leur a dit de ne pas aller dans ses prières. Je n'étais même pas là. Alors on m'a convoqué d'expliquer pourquoi la population n'est pas allée. Mais moi, le personnel de la Maison Shalom, j'avais dit, pas question, comment? Mais c'est depuis longtemps. Est-ce qu'on n'a pas vu quelqu'un qui retient tout le gouvernement, pendant une semaine, au stade, en train de chanter et de danser, soi-disant lire la Bible, je ne sais pas quelle Bible, et on arrête tout le travail. Est-ce que ça, ce n'est pas un malade mental? Au moment où les gens souffrent, chaque 15 heures, il arrête le travail et il va jouer. Est-ce que ça... On accepte, mais la population, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Si vous refusez, on amenait des crânes devant votre maison, on a mis des signes, des croix rouges pour tous ceux qui étaient contre le troisième mandat, donc la troisième candidature de président. Alors, le pauvre paysan, à qui on dit qu'on va tuer tous ses enfants, toute la progéniture, et qu'on va brûler sa petite maison, et il va aller. Mais maintenant, les élections, il aura peut-être 200%. C'est la panique totale parce que cette milice Imbonela Kure, donc à chaque colis, il y a au moins une arme. Maggie Barankitse est revenue sur les élections législatives et présidentielles de 2010 qui avaient suscité la controverse. Selon elle, ces élections auraient préparé le terrain pour le scrutin de 2015. En 2010, on a dit, mais la communauté internationale avait donné beaucoup d'argent, s'est dit... recommencer ces élections, ça nous coûterait. On va un peu... Hein? Il y a eu des tricheries, mais ça n'empêche pas de continuer. Et c'est comme ça quand on construit la vie sur un mensonge. Un jour, alors, c'est trop tard. Durant la conférence de presse, Marguerite Barankitse a exhorté la communauté internationale à ne plus soutenir les gouvernements africains qui ne respectent pas leurs engagements vis-à-vis de la population. Le problème se trouve chez nous. Pourquoi vous soutenez des présidents corrompus? Est-ce que vos dirigeants aussi auront cette audace de dire à un ministre de la coopération, ADRP, dit non, vous devez nous rendre les comptes, cet argent qu'on vous a donné, donc on voit très bien que ça n'a pas servi, c'est retourné dans vos banques. Toujours selon Maggie, le président Kourouziza s'accaparerait les biens de l'État. Il s'est construit un stade à Ruyigui qui valait 3 millions de dollars. Dans toutes les provinces, il a construit 12. Et puis, même ce stade, donc on ne peut pas l'utiliser quand il n'est pas là. Donc c'est toujours fermé, c'est pour lui, c'est comme, donc c'est privé. On l'ouvre quand il vient pour la croisade évangélique. Pour jouer le football, c'est quand même aberrant ça. Le Burundi, petit pays enclavé d'Afrique de l'Est, est à la croisée des chemins. Après avoir traversé une guerre civile longue de 12 ans suite à l'assassinat du président Melchior Ndadaye, les accords de paix d'Arusha et l'arrivée au pouvoir de Pierre Nkurunziza en 2005 avaient soulevé de nombreux espoirs au sein de la population. Pourtant, 10 ans après l'avènement du président Nkurunziza, la situation sociale et politique ne s'est pas améliorée, bien au contraire. Et si on donne de l'espoir et on améliore les conditions de ces personnes et qu'on leur donne un pouvoir d'achat, c'est fini, on ne va plus les manipuler. Mais quand vous avez faim, quand vous n'avez rien, c'est facile si on vous donne la machette, tue le voisin et comme ça, tu vas prendre son champ et tout. C'est facile. Donc moi, je crois que plutôt que de nous focaliser, bien sûr qu'il nous faut de leadership. Il faut que nous ayons des dirigeants qui sont visionnaires. Mais j'ai l'impression que l'argent même de l'agriculture va dans l'achat des véhicules pour déplacer
les ingénieurs agronomes pour les fêtes, mais ne va pas chez le vrai bénéficiaire qui est le paysan sur la colline. Et puis l'enseignement, parce que tout ça, si vous dirigez un peuple illettré, c'est facile de les manipuler. Mais c'est tout ça, c'est, si on améliore l'éducation, l'enseignement scolaire, on va donner la chance à tout ce monde. Mais nous n'avons pas des personnes bien éduquées. Donc c'est ça qui est... Parce qu'ils ne comprenaient pas, ne savaient pas que tu es administrateur communal, tu dois servir et rendre compte à la population de ta commune, non? Devient à son service, deviennent les esclaves de l'administrateur communal. Il faut tout refaire. L'histoire récente de la région des Grands Lacs d'Afrique centrale a montré à suffisance que les conflits dans un pays peuvent avoir des conséquences fâcheuses dans les autres pays de la zone. Marguerite Bankitse regrette que la leçon n'ait pas été suffisamment retenue. Je crois que c'est chacun, chacune d'entre nous devait se dire ce problème me concerne, parce que c'est l'humanité. Les pays voisins devaient se dire ce problème burundais va être un problème régional. C'est pas seulement le Burundi. Bientôt, ça sera donc le Congo. Et puis après, c'est le Rwanda et puis la Tanzanie. Mm-hmm. Parce que ça va directement donc affecter toute la région mm-hmm. des Grands Lacs. C'est avec une touche d'émotion que Maggie a conclu la conférence de presse appelant la diaspora burundaise à se mobiliser davantage pour leur pays d'origine. Plus jamais nier pas de réfugiés pour reconstruire votre maman. Oui, vraiment lui donner toute la tendresse qu'une mère. Maintenant, elle est malade, votre maman de Burundi est malade. Et on n'abandonne jamais sa maman quand elle est malade. On l'entoure de tendresse et de délicatesse. Mais si tu l'abandonnes, malgré.